الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إدعانا لربوبيته وإرغاما لمن جاحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغرر. Aujourd'hui on reprend avec le hadith de Jibril dans les piliers de la foi. On a vu la foi en Dieu, la foi en ses anges, la foi en ses livres, la foi en ses prophètes. Il en reste deux des six. Le dernier jour du jugement, on va le repousser à la fin. Et aujourd'hui, on va prendre le destin, le décret. Parce que le sujet des destins, c'est un sujet à travers lequel il y a une très grande mauvaise compréhension. Et je dirais même, il y a des dérapages. L'histoire de la pensée musulmane, il nous rapporte deux tendances qui ont existé à un certain moment et qui ont représenté les extrêmes du destin. On a le Qadariya, ceux qui ont nié l'existence du destin. Ils ont dit il n'y a pas de destin, il n'y a pas de décret. L'être humain, c'est lui-même qui fait ses actes, c'est lui-même qui reproduit ses actes et c'est lui-même le responsable de ses actes. Allah n'a créé aucun acte. Allah nous a créés et nous a laissés libres. Et c'est à nous d'assumer nos actes. C'est-à-dire l'être humain, il est responsable de ses actes. Et le mal, Allah ne le fait pas. Et c'est l'être humain qui est responsable du mal. Et le bien, Allah ne l'a pas créé. Il a créé l'être humain et c'est l'être humain qui récolte s'il fait le bien. Ça, c'est ce qu'on appelle Al-Qadariya. C'est une branche des Mu'tazilites. C'est une branche de certains groupes qui ont dit que la pensée, que l'être humain avec la raison, il est capable d'identifier le bien et d'identifier le mal. L'être humain, il est capable, sans les messagers, sans la révélation, de connaître la voie de la guidance, si je peux formuler ainsi la pensée des Mu'tazili. D'où cette branche des Mu'tazili qui disent que l'être humain, il est responsable lui-même de ses actes et Allah n'a rien à voir avec les actes des êtres humains. Ça peut vous paraître une vérité, mais c'est faux. C'est ce qu'on va expliquer. L'autre extrême, dans ce sens-là, ce sont ceux qui ont dit tout existe par destin. Et l'être humain ne possède rien dans ce monde-là. Tout ce qu'il fait, Allah l'a décrété et l'être humain ne peut pas le repousser. Et l'être humain n'en a aucune responsabilité. C'est ce qu'on appelle les morgés. C'est-à-dire, Allah fait de son serviteur ce qu'il veut et son jugement, il revient à Allah, mais l'être humain n'est pas responsable de ses actes. Ils ont mis le mal et le bien à la responsabilité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les deux extrêmes. Ceux qui ont nié totalement l'existence du décret et ceux qui ont dit tout passe par décret jusqu'au point qu'ils ont donné une image, une façon parabolique de parler de l'être humain. Comme quoi c'est comme une plume dans l'air. Une fois le vent la pousse vers la gauche ou vers la droite ou vers devant ou vers derrière ou vers le haut ou vers le bas. Tout dépend dans quelle direction il souffle le vent. Il la ramène. C'est-à-dire que cette plume n'a aucun pouvoir. La même chose, l'être humain sur terre n'a aucun pouvoir. Tout est par la volonté d'Allah. Certes, il y a une raison politique derrière l'apparition de ce groupe. Cette raison politique, elle émane des gouverneurs. Que le gouverneur, c'est le choix d'Allah. Et c'est Allah qui l'a mis là. Et personne ne peut le retirer de son trône ou de son pouvoir. Ou personne ne peut le détrôner. C'est la volonté d'Allah. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent subir et se taire. Donc regardez derrière. Et les autres qui ont dit, l'être humain, c'est lui-même qui crée son destin. Eux aussi, ils avaient une tendance politique. C'est-à-dire un gouverneur, on peut le changer. Pour dire qu'on part de la foi pour atterrir sur la politique. La vérité dans tout cela, c'est le juste milieu. La religion musulmane est une religion du juste milieu. La religion musulmane, dans sa pureté, elle n'est pas là pour favoriser X ou Y ou Z. Elle est là pour le bien de l'être humain. Et c'est pour ça que les savants, quand ils ont parlé du destin, ils ont cité le destin comme une miséricorde.
Le destin est une science. Le destin, c'est écrit, maktoub. Et le destin est une justice. Ça, c'est quelques qualités du destin et, du destin et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, avant la création de l'univers, avant la création des cieux et des terres, avant la non-existence, il n'y a rien qui existe. Allah subhanahu wa ta'ala, la première des choses qu'il a créées, il a créé la plume. 50 000 ans avant l'existence de l'univers, il a créé la plume. Et puis il a dit à la plume, écris. La plume lui a dit, que dois-je écrire, Seigneur? Dieu, que dois-je écrire? Et Allah lui a décrété, pour dire que le décret existe depuis longtemps, il a toujours existé, il lui a dit, écris tout ce qui va se passer du début jusqu'à la fin. Et la plume a écrit. Il a écrit en quoi? Il a écrit dans ce qu'on appelle la planche préservée, al-lawh al-mahfoud, une planche préservée, protégée. La plume a tout noté de A à Z. Combien de temps elle a passé à noter, Allahu a'lam. Mais elle a tout noté. Et Allah le dit dans le Coran, kullun fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasin. Tout est dans un livre et cela pour Allah est facile. Tout est dans le livre. Avant la création de l'univers jusqu'à la fin de l'univers, tout est noté. C'est ça ce qu'on appelle al-'ilm. Le destin est une science. Le destin, c'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a donné à la plume. Il a donné à la plume de sa science, écrit par la science d'Allah, par la volonté d'Allah. Et il a écrit. C'est pour ça que quand les musulmans parlent, ils disent le maktoub, dans le sens que c'est noté dans l'ouh al-mahfoud, la planche préservée. C'est pas dans le sens de la fatalité du destin, comme certains musulmans la comprennent. Ils fassent des bêtises, ou plutôt ils font des bêtises. Et tu lui dis, Akhi, Orti, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? C'est Ham, tu dis maktoub. C'est-à-dire, ça m'a été imposé. La fatalité du destin, je n'ai pas le choix. C'est faux. Vous savez, l'islam ne va pas contre la raison. Allah ne peut pas nous imposer des choses et puis il va nous juger, il va mettre des gens à l'enfer. Pourquoi vous avez fait? Allah est sage. Allah subhanahu wa ta'ala est une sagesse. Allah est une miséricorde. Allah est une justice. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas. Quelqu'un va tuer, c'est parce qu'Allah il a voulu que je tue. Et après Allah lui dit, tu as tué, tu vas aller à l'enfer. Il va dire, il a le droit de protester dans ce cas-là. Pourquoi Seigneur tu me mets dans l'enfer et c'est toi qui m'as imposé de tuer? Est-ce que quelqu'un va le dire le jour du jugement? Impossible. Ce qu'Allah il a créé les causes de l'acte. Ce qu'on appelle sabab. Sabab, les causes. C'est Allah qui les a créées. Et l'être humain entreprend ses causes par son savoir et par sa science et par sa décision et sa volonté. Et tout dans ce monde-là se passe comme Allah a voulu. C'est sa science, c'est écrit. Allah n'est pas responsable des actes. Aucun acte des humains, Allah en est responsable. Cependant, l'être humain, il y a des domaines où il n'y a aucune responsabilité. L'être humain n'est pas responsable que la terre est ronde. L'être humain n'est pas responsable du jour et de la nuit. L'être humain n'est pas responsable des planètes. L'être humain n'est pas responsable du soleil et de la lune. L'être humain n'est pas responsable des quatre saisons. L'être humain, tout cela, il vit avec, il fait avec. C'est la volonté d'Allah et c'est la création d'Allah. L'être humain, il découvre les lois et il les investit dans son itinéraire. Il a découvert la loi du jour et de la nuit, il en a fait le calendrier, 24 heures. Il a découvert le changement de climat selon les saisons, il en a fait 4 saisons. C'est ça ce qu'il fait l'être humain. Il explore, il cherche, il découvre, il instaure, il installe des règles qu'il doit suivre. Pour bien gérer, pour bien vivre dans ce monde et pour bien l'exploiter et l'investir comme il faut. C'est ce qu'il fait l'être humain. Et c'est sa responsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les deux voies. La voie du bien et la voie du mal. Et puis il a mis l'être humain dans un état de prédisposition pure. Il ne lui a choisi ni la voie du bien, ni la voie du mal. Par contre, il lui a envoyé les prophètes. Il lui a dit, t'as intérêt de choisir la voie du bien. Allah ne fait que le bien. Et si l'être humain choisit la voie du mal, il assume. C'est comme quelqu'un, tu lui donnes un plan de route et tu lui dis, vas-y, jusqu'à ça, ça va te ramener jusqu'à la destination. À un certain moment, il laisse le plan, les directives de côté, et il choisit à une autre voie. À ses risques et périls quand il n'arrive pas à sa destination. C'est ce qu'il a fait Allah subhanahu wa ta'ala en envoyant les prophètes. Le destin, il est là.
Le décret, il est là. Mais par sa miséricorde, il nous a envoyé les prophètes et les messagers pour nous montrer la voie et le sentier de la droiture, pour qu'on ne s'égare pas. Et après cela, l'être humain, il assume son choix. Il assume le degré de son choix. Il assume son itinéraire. Et c'est lui qui prend la décision. Donc arrêtons de dire Maktoub. Arrêtons de dire que tout est la volonté d'Allah, dans le sens que c'est une fatalité imposée, on n'a aucun choix. Arrêtons de dire comme les autres, ils disent Allah ne fait rien, c'est nous qui font. Ou arrêtons de dire que tout appartient à Allah et nous on ne fait rien, et c'est Allah qui fait. Tout ça, ce n'est pas la bonne voie. La voie, elle est là. On assume le destin. Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, quand il s'est dirigé vers Hacham, on lui a parlé de Ta'oun, la peste. On lui a dit, il y a de la peste. Et la peste, un compagnon lui a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, si vous entendez parler de la peste dans une cité, si vous y êtes, ne sortez pas, et si vous n'y êtes pas, ne rentrez pas. Voilà les recommandations du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Si vous y êtes, ne sortez pas pour que ça ne se répand pas, c'est contagieux, donc restez, c'est ce qu'on dit la mise en quarantaine, restez entre ceux qui ont la peste pour ne pas répandre ce fléau. Et si vous n'y êtes pas dans la cité, vous êtes en bonne santé, ne rentrez pas parce que vous risquez de le rattraper ou d'être atteint de la peste. Alors Omar, il a fait demi-tour. Abdurrahman ibn Aouf lui dit, prince des croyants, tu crains le destin d'Allah, tu fouilles le destin d'Allah. Et Omar ibn Khattab, il lui répond avec savoir. Il lui dit, oui, je fouille le destin d'Allah vers le destin d'Allah. C'est-à-dire, on est dans le destin d'Allah. On ne sort pas du destin d'Allah. C'est-à-dire, il faut avoir la science du choix. Savoir où est le bien, où est le mal. Et là, c'est le prophète nous a montré, c'est quoi le destin d'Allah avec la peste. Si vous êtes dans la cité pendant que la peste y est, n'entrez pas dans la cité. Ça, c'est le destin d'Allah. Restez pour protéger les autres qui n'ont pas la peste. Et le destin d'Allah nous dit, si vous n'êtes pas dans la cité, n'y rentrez pas pour ne pas l'attraper et la voir. Voilà, ça c'est le destin d'Allah. C'est ça le savoir du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun assume ce qui en est. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle que tout a été créé par destin. C'est-à-dire tout a été créé par la volonté d'Allah et la science d'Allah. Et ce n'est pas un hasard. Et c'est ce qu'on voit dans cet univers. Et c'est ce qu'on voit à travers l'être humain. Aujourd'hui, les hommes de la science humaine, ils relatent, ils soulèvent des lois dans l'univers qui concernent l'homme, ce qu'on appelle l'ulum l'insaniya. L'histoire de l'homme, ils relatent ces lois qui existent et que l'homme n'est fait que confirmer à travers l'histoire l'existence de ces lois qu'Allah a instaurées. C'est ça le destin d'Allah. Il y a des règles qui gèrent le monde. Vous faites bien, c'est le chemin du paradis. Vous faites mal, c'est le chemin de l'enfer. Ça, c'est les lois d'Allah, ça, c'est le destin d'Allah. C'est des règles. Et l'être humain, il doit choisir ses règles. Il doit faire avec ses règles. Laquelle des règles je vais prendre? Et je dois l'assumer. On donne l'exemple, le couteau, il tue. Mais est-ce que le couteau va être jugé au tribunal? La balle, il tue. Est-ce que la balle va être jugée au tribunal? Le poison, il tue. Est-ce que le poison va être jugé au tribunal? Non. Qui va être jugé dans le tribunal? C'est celui qui a fait usage du couteau. C'est celui qui a fait usage de la balle. Et c'est celui qui a fait usage du poison. Celui-là va être jugé. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis à l'épreuve. Le couteau, comme on peut l'utiliser pour travailler avec, dans la cuisine, dans plein de choses, comme la personne peut l'utiliser pour faire des dégâts, pour agresser. Par exemple, il est responsable de ce mauvais usage. La même chose, la balle, le pistolet, les armes. L'être humain est fait pour se protéger, protéger ses biens, ou protéger ses frontières, ou protéger ses pays, ou son pays, ou sa nation, ou ses enfants. Et si l'on fait mauvais usage, il doit rendre des comptes. C'est Allah qui a instauré les lois dans la balle. C'est Allah qui a instauré les lois que le poison, le corps humain ne le supporte pas, peut amener vers la mort. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des fruits. L'être humain, il en a fait mauvais usage, il en a fait de certains fruits
des boissons alcooliques, ils font perdre la raison. À titre d'exemple, le raisin. Est-ce que l'être humain va dire dans le destin d'Allah, Ya Rabbi, c'est toi qui as créé le destin, moi je n'ai fait que profiter du raisin. Il va reprocher ça à Allah? Non. Allah nous a créé le raisin, il a créé d'autres choses, il a dit, Koulou mimma razaqnakoum, mangez de ce qu'on vous a donné comme subsistant. Il nous l'a donné pour manger. Du moment que c'est consommable, du moment qu'on peut le manger, on mange. Mais maintenant, l'être humain, avec la raison qu'Allah lui a donnée, il a déformé la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu que ça soit un produit de bien et de vertu, il devient un produit nocif. Il fait perdre la raison. Qui est responsable de cette production? C'est l'être humain. Allah nous a éprouvés par le raisin. C'est une épreuve. On peut remonter dans le même raisonnement par induction. Et on peut dire, Satan, c'est la même chose, c'est Allah qui l'a créé. Mais Satan nous répond dans le Coran. Le jour où ses disciples ou ceux qui l'ont suivi vont s'entourer autour de lui, ils vont lui dire, Satan, c'est toi qui nous as induit dans l'erreur, c'est toi qui nous as ramené vers le péché. Il leur a dit non. Ah, détrompez-vous. Je n'avais aucun pouvoir sur vous. Seulement je vous ai appelé, vous m'avez suivi. Voilà sa réponse. Alors ne me blâmez pas et blâmez-vous-même. Vous n'avez pas à m'écouter. Vous n'avez pas à m'écouter. Ça, c'est le grand argument de Satan le jour du jugement. Dans l'enfer. Alors, je ne peux rien pour vous aujourd'hui, vous ne pouvez rien pour moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, quand on dit le destin est une miséricorde, il nous a dit, Satan est un ennemi. Ne l'écoutez pas, ne le suivez pas, ne l'adorez pas. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Ne suivez pas les pas de Satan. Celui-là, c'est votre ennemi. Allah nous dit, il a dit à Adam, et tous les prophètes, ils ont transmis cette réalité. Alors on ne peut pas se cacher derrière l'ouswas de Satan, ou dire c'est Satan qui est responsable. Ah, dans ce cas-là, on peut aller plus loin dans le raisonnement. On peut dire, alors ya Allah, pourquoi t'as créé Satan? Non, ce n'est pas comme cela. Allah crée, il fait ce qu'il veut. C'est à nous d'assumer notre existence sur terre. Entre le bien et le mal, c'est ça l'épreuve. Entre le bien et le mal, c'est ça la distinction du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre le bien et le mal, c'est là la distinction où est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, entre le bien et le mal. Urwa ibn Zubayr, il était malade, ce qu'on appelle aujourd'hui le cancer, dans ses pieds. Ils ont voulu amputer son pied, il a dit non, vous l'amputez quand je suis en prière, je n'accepterai jamais qu'il y ait un organe de moi qui soit amputé tout en étant dans un état d'inattention. Alors, amputez-le quand je serai dans la prière. Effectivement, ils l'ont amputé, et quand ils ont ramené l'huile bouillante pour mettre le reste de son pied dedans pour fermer les veines qui continuaient à saigner, il est tombé dans le coma. Il s'est réveillé, on lui a présenté deux condoléances. Condoléance du pied qu'elle a perdu, ils étaient obligés de la couper, et condoléance de son fils qui est mort. Il se réveille avec un choc. Perte de pied, perte d'un de ses enfants, d'un de ses garçons. Alors il dit, Alhamdoulilah, Dieu soit loué. Si Dieu m'a éprouvé dans plein de choses, il m'a soulagé. Et si Dieu m'a pris, il en a laissé. Voilà le regard équilibré. Ya Rabbi, si tu m'as éprouvé aujourd'hui, il y a plein de choses sur lesquelles j'étais éprouvé et j'étais soulagé, c'est-à-dire l'épreuve était douce. Et ça s'est passé sans dégâts. Si Ya Rabbi, tu m'en as pris mon fils, tu m'en as donné beaucoup de choses et tu m'en as laissé. Le destin du croyant apprend au croyant que il n'y a que le bien qui vient d'Allah. Il ne faut pas regarder que le mal. Certaines personnes, quand ils sont d'une nature râleuse, ils n'acceptent pas le mal. Et quand ils sont touchés du mal, ils passent leur journée à râler. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi Dieu m'a choisi parmi les gens? Pourquoi il m'a éprouvé? Qu'est-ce que j'ai fait à Allah? J'ai un bon cœur, je suis quelqu'un de bon, je fais le bien. Pourquoi? Il y a des gens qui sont comme ça. Le croyant ne doit pas être comme ça. Le croyant, il sait que lui-même appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut, mais dans le cadre d'une science, d'une miséricorde et d'une justice. Il ne fait pas injustement. Allah subhanahu wa ta'ala fait avec justice. Dans chaque chose dont on est éprouvé, il y a une justice. Alors si Allah nous donne la science et la lumière dans le cœur, on va avoir cette justice. Et on va adhérer au destin d'Allah et on va reconnaître.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été informé de la mort de son fils Ibrahim. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a dit, pourquoi tous mes enfants sont morts? Non. Il a pris la nouvelle, il a pleuré. Son œil, il y avait des larmes. Son cœur est triste. Il a dit, l'œil pleure, le cœur est attristé, mais on ne dit qu'à ce qu'Allah est agréé. C'est-à-dire, notre parole ne dépassera pas les limites. On agrée le destin d'Allah parce qu'il a la foi. La meilleure création de foi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il avait la foi. Et même il a dit, on est triste de ton départ, ô Ibrahim. Il a formulé, je suis triste à ton départ, je suis triste à ta mort. Mais je ne peux pas dire autre chose. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui donne, c'est Allah qui prend. Rien n'est donné éternellement. Et c'est ça le destin d'Allah. Comment vivre soulagé? Comment vivre tranquille dans sa conscience? Comment vivre sa journée avec un esprit équilibré? Quand on rejette le destin d'Allah, on souffre. Et on se pose beaucoup de questions. Le pourquoi? Et le pourquoi? Vous savez qu'est-ce qui harcèle l'être humain psychologiquement? C'est quand il veut comprendre des choses faciles à comprendre dans la religion. Et dans la religion, soumets-toi. C'est Allah et c'est fini. Ne cherche pas à dire pourquoi. Pourquoi j'ai fait faillite? Pourquoi je n'ai pas réussi? Pourquoi j'ai divorcé? Pourquoi mon fils est malade? Pourquoi ma fille cela? Le pourquoi? Le pourquoi? Le pourquoi? Non, reviens vers Dieu. Alhamdulillah. La formule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'oudu bihi min hali ahli an-nar. Dieu soit loué pour tous les états. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger de l'état des gens de l'enfer. Tous les états, alhamdulillah. Sauf, on lui demande subhanahu de nous protéger. Et parmi ces invocations, Seigneur, je ne te demande pas de repousser le destin et de l'annuler. Mais je te demande de l'alléger. De l'alléger. C'est comme ça qu'il disait sallallahu alayhi wa sallam, allège ton destin. Quand le destin arrive, ya Rabbi, allège-le, qu'il ne soit pas dur, qu'il ne soit pas douloureux, allège-le avec apaisement et que ça passe. Ça, oui, on a le droit de l'invoquer. Tout avec la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait que le bien. Et dans le cadre de la mort, une histoire d'Abdullah ibn Abbas, quelqu'un qui fait de philosophe un petit peu, il lui dit, le houdhoud dans le Coran, la huppe dans le Coran, il est venu voir Suleyman, il lui a dit, j'étais dans un coin que toi tu n'as pas vu, et moi j'ai vu et j'ai des informations que toi tu n'as pas eues. J'étais à Saba, et à Saba j'ai vu une femme, c'était la reine. Il a un trône immense. Elle et sa communauté adorent le soleil. Il a dit, ça c'est la huppe dans le Coran. Comment ça se fait que cette huppe qui a une science pareille, nous les humains, on lui fait le piège ou le filet, et on la pêche, on la chasse. Elle tombe dans le piège, elle tombe dans le filet, on la prend vivante. Comment il a osé voir le trône, une population, une reine qui adore le soleil, et n'a pas vu le filet, et n'a pas vu le piège? Philosophique ou moqueur. Alors Abdullah ibn Abbas lui dit, malheur à toi, quand le décret d'Allah descend, la vue s'aveugle. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a décrété par exemple la mort, une personne va mourir par accident par exemple, cette personne elle conduit très bien, les gens sont étonnés, subhanallah, il est mort par accident, mais j'étais avec lui, mashallah, il conduit bien. Mais on oublie une chose, est-ce que c'est lui seul qui conduit? Il y en a d'autres qui conduisent avec lui. On les oublie. Peut-être un fou. Peut-être une personne ivre. Peut-être une personne droguée. Peut-être un problème mécanique. C'est pas parce qu'il sait conduire qu'il va garantir la vie en conduisant. Pas du tout. Combien d'avions s'est fait écraser? Et pourtant les pilotes qui conduisent les grands avions, c'est des maîtres du vol. C'est parce que c'est le destin. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut quelque chose, il lui prépare les causes. Et ces causes qui les traitent et qui les applique, c'est l'être humain. C'est lui qui applique ces causes. D'où sa responsabilité. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما، ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، واقضي حوائجنا، واستر عيوبنا، ويمن كتابنا، وإن توفيتنا ربنا توفنا مسلمين. اللهم يا رحمن يا رحيم، ارحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، الآباء والأمهات، الإخوان والأخوات، الأبناء والبنات، إنك سميع مجيب الدعوات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، واصلح لنا في ذريتنا. اللهم اصلح لنا في ذريتنا، اللهم اصلح لنا في ذريتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وعلي بفضلك راية الحق والدين، وانصر اللهم عبادك المجاهدين في كل مكان، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا بخير فوفقه وأعينه، ومن أرادنا وأراد إسلامنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك مما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك مما استعاد منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بذكرك، وزدنا من عطائك، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا يا ربنا لك من الشاكرين. اللهم ارضنا بقضائك وقدرك، اللهم ارضنا بقضائك وقدرك، اللهم ارضنا بقضائك وقدرك. اللهم اصلح شباب المسلمين ذكورا وإناثا، اللهم اصلحهم صلاحا جميلا، وردهم إلى الدين ردا جميلا، وادم عليهم سترك، واحفظهم بعينك التي لا تنام، واحفظهم بركنك الذي لا يرام. دعاء لمريضة بشفاء، اللهم رب الناس ذي بالبأس يشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ودعاء لأخ كذلك مريض شل نصفه، اللهم شفيه وعافيه، واحسن خاتمته وخاتمة المسلمين أجمعين. ودعاء لكذلك رجل كبير في السن لعله في آخر مطاف من حياته، فنسأل الله حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك له حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك له اللطف وحسن الخاتمة. ودعاء كذلك لأخ جاء العقيقة جبهة المسجد إن شاء الله اليوم الجمعة كلوها الناس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح له ابنه الذي سماه مهدي، فاجعله الله كذلك على صراطك مهديا. اللهم اجعله من المهديين على صراط مستقيم، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد الختام من الصلاة، هناك شابة مسلمة تعتنق الإسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.